Salut à tous! Nous revoilà pour une nouvelle vidéo Zénith Suprême. Comme vous avez pu le voir, les Zéniths Suprêmes sont enfin arrivés au Maroc. Il n'y a toujours pas du violet écarlate, mais il y a enfin le Zénith Suprême avec les quelques Pokébox qui sont sortis. Donc voilà, pour les 200 abonnés Instagram, j'ai pu ouvrir la Pokébox et le Thor de Galar. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de quelques minutes où on va ouvrir le Articodin de Galar. Donc voilà, qui va contenir 4 boosters Zénith Suprême. Pensez également à vous abonner afin de bien voir toutes les prochaines vidéos et notamment celle pour les 100 abonnés YouTube plus 400 abonnés Instagram. Dès que ces paliers seront atteints, on va ouvrir le coffret ultra premium des 25 ans. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour, on espère, une super ouverture de Zénith Suprême pour les 200 abonnés Instagram. Donc, comme vous avez pu le voir sur ma story, une très belle carte GG est tombée. Donc, je vais vous la remontrer maintenant. On espère obtenir quelque chose d'aussi bien aujourd'hui. Donc, j'ai pu obtenir le Deoxys VMAX il y a quelques jours. Ce qui serait vraiment le top, c'est d'obtenir la carte Mewtwo V-Star. On a voilà j'ai le Dracaufeu qui provient du coffret ultra premium de Dracaufeu. D'avoir le Mewtwo en plus, ça serait top. Surtout que le Mewtwo, ça provient ben, du premier jeu sur Game Boy, donc auquel j'ai joué. Donc ça serait quand même le top. Après, il y a d'autres très belles cartes à obtenir, hein, le Zeraora, la Deoxys même, Vestar, magnifique, le Darkrai. En tout cas, voilà, il y a de très belles cartes à obtenir et on espère un très bon tirage aujourd'hui. Allez, je vous rapproche la caméra. Voilà, je vous ai rapproché la caméra pour que vous puissiez voir cette ouverture. Il faut savoir que je vais aussi bientôt changer de matériel cet été. J'ai un gros stock de coffrets à ouvrir et j'ai aussi donc décidé d'acheter du matériel, nouvelle lumière, nouvelle caméra. Comme vous avez pu le voir, j'ai souvent des problèmes de batterie sur cette caméra. Donc voilà, il y aura des changements. Il y aura aussi une nouvelle caméra. Je vais commencer peut-être à faire du stream et notamment pour l'ouverture du coffret des 25 ans. J'aimerais bien l'ouvrir voilà, directement en streaming avec vous. Donc voilà, d'ailleurs du changement. Comme je vous disais aujourd'hui, on va ouvrir la Pokébox Articodin de Galar. Donc pour les 200 abonnés Instagram, j'ai ouvert l'Élector de Galar et là aujourd'hui, on va ouvrir ce magnifique coffret, donc comme vous pouvez le voir, avec l'Articodin de Galar à l'intérieur. Donc voilà, très belle Pokébox que j'ouvre tout de suite. Alors, je vais enlever le plastique. Allez, c'est parti. Pour l'ouverture. Alors, très belle carte d'Articodin, comme vous pouvez le voir, qui va aller direct sous sleeve. Magnifique. Vraiment, ces cartes, très beau coffret, très réussi. Alors, elle va partir directement sous sleeve pour la garder. Alors, il faut savoir que ce coffret, je vais le rouvrir cet été également. Je l'ai déjà, voilà, je l'ai déjà en France, qui m'attend. Et donc, je vais l'ouvrir également cet été. Alors, normalement, il y a 4 boosters. 1, 2, 3, 4. Et la boîte, je vais la mettre de côté. Allez, c'est parti. Je commence avec le premier booster. Donc là, c'est la deuxième fois que j'ouvre du Zénith Suprême. Voilà, comme je vous avais dit, là, le Zénith Suprême est sorti il y a quelques jours au Maroc. Donc il n'y avait pas possibilité d'en avoir. Donc là, voilà, c'est la deuxième fois que j'en ouvre avec vous. Et on espère un tirage de malade. Allez, c'est parti. Alors, la carte énergie, le super bonbon. Terraclope. Du
J'essaie de me centrer. Échange d'énergie. Chris Krixik. Lixi. Monsieur Mime de Galar. Tournegrin. Smogo. Donna en reverse. Et boule de nœud. Bon. Ça commence pas top, mais il nous reste encore 3 boosters. Allez, c'est parti. Donc on espère cette fois-ci un meilleur tirage. Et allez, on y va. Scalproc, Gravalanche, Attrape Pokémon, Manglouton, Cerebou, Étourmi, Échange, Neuneuf, Igualta, encore une reverse rare, et c'est pas forcément ce qu'on attend, et Tauros. Bon, pour l'instant, pas grand-chose. Donc, on va poursuivre. Allez, le prochain. On peut pas toujours tomber sur des trucs de fou, même si, si on l'espère. Mais après, voilà, hein, je pense que on peut encore tomber sur de très belles cartes dans ces deux derniers boosters. Donc, on y va et on continue. Allez, la carte énergie. Aspirateur perdu, Lamperrois, Hyperbole, Lixi, Pyronille, Scalpion, Wellmer, Pokéball, Cravarèche, encore une rare en reverse, et Yanmega. Eh ben, pas top pour le moment. Mais il reste encore le dernier booster et on espère que celui-là, il va nous donner du lourd. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je fais? Allez, c'est pas grave. Tant que la plus rare est à la fin. Énergie. Watapic. Valise de secours. Scalproc. Nœud neuf. Récupération d'énergie. Emolga. Love Disc. Pijako. Un Luxray, encore une rare en reverse. Et Loup-Garrosse. Et ben voilà, donc pas de très belles cartes. Mais bon, l'Articodin de Galar, c'est déjà bien. On va se contenter de ça. Le reste, que des reverses rares par contre. Donc ce qui est plutôt intéressant pour compléter une collection. Le reste, bah voilà, hein, on peut pas tomber que sur des tirages de fou. Donc on espère, en tout cas, je vais acheter prochainement la dernière Pokébox hein, de la collection. Et puis on espère obtenir des meilleures cartes. Allez, à bientôt. Tchuss!